Bonjour. Bonjour. M'entendez? Donc aujourd'hui, on va aborder les thérapeutiques immunologiques. Si vous m'entendez, je continue. Donc aujourd'hui, c'est les thérapeutiques immunologiques. Le cours portant sur cette thématique clé en pharmacie va commencer par une introduction. Ensuite, on abordera les concepts d'immunité active, les antigènes vaccinaux. Et enfin, on parlera des concepts d'immunité passive en prenant un exemple, les anticorps. Donc, d'abord, qu'est-ce que veut dire les thérapeutiques immunologiques? Sous ce terme est regroupé les substances essentielles d'origine biologique qui visent à manipuler le système immunitaire d'un sujet dans le but d'obtenir un bénéfice thérapeutique. Dans cette catégorie de substances d'origine biologique qui visent à manipuler le système immunitaire, on a des substances qui vous permettent d'obtenir une protection vis-à-vis d'une maladie déterminée, et cela par l'utilisation de l'immunité spécifique de façon soit active, et là on parlera de vaccination, soit de façon passive, et là on est dans le cadre de la sérothérapie, de la séroprophylaxie et de l'immunothérapie cellulaire. Également, ce type de substances peuvent être utilisées pour moduler de façon positive ou négative la réponse immunitaire. Donc, soit elles vous permettront d'augmenter une réponse immunitaire ou de la diminuer ou de la réprimer. Instauration veut dire mise en place. Vous m'entendez? Instauration veut dire mise en place. Donc, après cette introduction, nous passons. J'ai répondu à la question, hein. Nous passons au principe de l'immunité active et on va traiter comme exemple dans l'immunité active la vaccination. Alors, je rappelle, dans l'immunité, on a deux types d'immunité, l'immunité innée, non spécifique ou naturelle, qui est immédiate et qui n'a pas de mémoire immunologique. Et vous avez l'immunité adaptative ou spécifique, qui est basée généralement sur la mémoire immunologique. Le principe d'immunité active et l'exemple qu'on va étudier, c'est-à-dire les vaccins ou la vaccination, sont basés sur l'immunité active. L'immunité active, et plus précisément sur l'immunité active artificielle. Et dans ce cas-là, c'est la vaccination. Donc, juste un petit mot d'histoire. Un grand homme de la biologie à qui on a donné le nom de l'Institut Pasteur dans le monde, c'est Louis Pasteur, hein, qui a donné. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ce grand monsieur? Il a dit: j'ai donné au mot vaccin une extension que la science, je l'espère, consacrera comme un hommage dû au mérite, aux immenses services rendus par cette découverte. Donc, les vaccins sont l'œuvre de
de Louis Pasteur. Alors, ces vaccins sont basés sur l'immunité spécifique active, aussi bien sur les réponses immunitaires à médiation humorale que sur les réponses immunitaires à médiation cellulaire. Donc, voici un rappel sur la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Lorsqu'un agent pathogène pénètre dans notre organisme, il peut soit être reconnu directement par les lymphocytes B grâce à leur BCR et induire une activation des lymphocytes, une reconnaissance, une activation et une prolifération des lymphocytes B avec mise en place de B mémoire et de plasmocytes, sécréteurs d'anticorps spécifiques, ou encore il y a une coopération des lymphocytes B avec les lymphocytes T helper. Et dans ce cas-là, l'antigène va être apprêté par le lymphocyte B et présenté au lymphocyte T helper. Il s'ensuit une réponse immunitaire qui est initiée et qui va également conduire à la sécrétion d'anticorps. Alors, les anticorps neutralisent les agents pathogènes de diverses manières. Soit vous avez des anticorps neutralisants, soit ils éliminent l'agent pathogène par opsonisation, soit encore par ADCC ou cytolyse C complément dépendante. Concernant l'immunité spécifique active et plus précisément la réponse immunitaire à médiation cellulaire, donc un antigène, généralement ça concerne les virus et les bactéries à multiplication intracellulaire, lorsqu'ils sont pris en charge par les cellules présentatrices d'antigènes, elles vont les apprêter et les associer aux molécules de CMH de classe 2 ou de classe 1 et les présenter aux lymphocytes T helper ou encore aux lymphocytes T cytotoxiques. La conséquence de cette présentation est la mise en place de cellules. La conséquence finale de cette présentation est la mise en place de cellules effectrices, notamment des cellules T cytotoxiques et des T helper mémoire, et également des macrophages qui vont assurer la phagocytose et la bactéricidie. Les effecteurs mémoire vont être là pour initier une nouvelle fois une réponse immunitaire spécifique et comme cellules effectrices clés, les T cytotoxiques qui vont détruire les cellules cibles infectées par cytotoxicité. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok, donc je continue. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va parler des vaccins proprement dit. Alors, un vaccin, quels sont? D'abord, on va parler d'abord des éléments d'une protection vaccinale. Alors, un vaccin, qu'est-ce qu'il a besoin? Il faut qu'il soit immunogène, donc il doit être doué ou avoir une bonne immunogénicité et avoir une bonne innocuité. Alors, la vaccination a pour but de générer des effecteurs, soit des effecteurs cellulaires, c'est-à-dire les T cytotoxiques, ou des effecteurs moléculaires, les anticorps, qui sont bien sûr spécifiques de l'agent pathogène, hein, dont on veut se protéger. Le but de la vaccination, c'est de nous protéger contre les infections et cela se fait grâce à la mémoire immunologique, hein, et également en augmentant l'affinité des anticorps protecteurs par les mécanismes qu'on vient d'expliquer. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la vaccination? Eh bien, il y a la nature de l'antigène vaccinal. Donc, cet antigène vaccinal peut être sous forme de micro-organismes entiers, vivants ou tués. Ça peut être une sous-unité vaccinale, seule ou conjuguée, c'est-à-dire liée à une protéine, ou encore ça peut être des antigènes recombinants. Dans notre exposé, on va développer, je pense, les deux premières catégories. Également, comme autre facteur influençant la vaccination, la voie d'immunisation est très importante, et également l'adjuvant. Donc, ces deux points vont être développés au fur et à mesure de l'exposé. Je rappelle avant d'avancer dans le cours que tout le support est disponible au niveau
de la quatrième année pharmacie au niveau de la plateforme e-learning de la faculté de médecine du département de pharmacie et que mon email, si vous avez des questions, est sur la plateforme également. Et c'est Sabi Gadiri à aerobase@gmail.com. Donc, on va commencer par l'antigène vaccinal. Alors, il faut savoir que dans les vaccins, on a des vaccins qui utilisent des germes vivants, atténués, et des vaccins qui utilisent des germes tués carrément. Alors, et dans les sous-unités vaccinales, seules ou conjuguées, vous avez des antigènes purifiés tels que les toxines bactériennes, telles que l'anatoxine tétanique par exemple, ou encore des antigènes polysaccharidiques, comme les antigènes polysaccharidiques du pneumocoque. Enfin, également, on peut avoir aussi des sous-unités vaccinales conjuguées, c'est-à-dire associées à un porteur ou un carrier, surtout si vous avez des sous-unités vaccinales peu immunogènes. Voilà, également dans cette catégorie, on retrouve les antigènes de surface recombinants, normalement qui ne seront pas abordés. Alors, quelles sont les caractéristiques des germes vivants atténués? Et ça, c'est important. Alors, l'atténuation de ces germes vivants atténués, elle se fait comment? Comment on fait? On met en culture pendant des périodes prolongées, dans des cultures non favorables, germes pathogènes de façon à ce qu'il ne soit plus trop pathogène, de façon à ce qu'il perde son pouvoir de pathogénicité, tout en conservant la capacité de croissance du pathogène après inoculation à l'hôte. Alors, les vaccins qui utilisent ce genre de germes nécessitent généralement des réponses de type cellulaire. Donc, ce sont des vaccins destinés à développer des réponses immunitaires à médiation cellulaire. C'est le cas avec les bactéries, les parasites à multiplication intracellulaire et les virus à multiplication intracellulaire. C'est le cas de la rougeole, de la rubéole, de la poliomyélite par voie orale. Vous avez aussi les oreillons et la fièvre jaune. Également, comme mode vaccin aussi important, c'est le BCG. Alors, l'avantage de ces vaccins vivants atténués, c'est qu'ils ont une très bonne immunogénicité, donc ils ne nécessitent pas d'adjuvant. Un adjuvant est une substance qui augmente la réponse immunitaire. Je répète, un adjuvant est une substance qui augmente la réponse immunitaire. Également, ces vaccins vivants atténués induisent de fortes réponses, aussi bien humorales que cellulaires, avec une mémoire immunologique. Il ne nécessite généralement qu'une seule immunisation. Les rappels sont superflus. Cependant, ces vaccins ont des inconvénients majeurs, c'est qu'il y a un risque de réversion de la souche vaccinale atténuée vers son état de virulence. Également, vous avez un risque de neutralisation si vous avez des taux élevés d'anticorps préformés et un risque de virulence chez les sujets immunodéprimés. Une contre-indication majeure de la vaccination est l'immunodépression. Alors, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie? Ce sont tous les sujets immunodéprimés, les SIDA, c'est-à-dire les gens qui font des infections à HIV. Vous avez également les enfants qui souffrent d'un déficit immunitaire. Hein, par exemple, comme la maladie de Bruton ou tout autre déficit immunitaire de l'enfant. Les femmes enceintes également font partie de la catégorie des sujets immunodéprimés. Une femme enceinte ne doit pas être vaccinée. Elle doit faire ses vaccins avant la conception. Également, il faut savoir que tout traitement immunosuppresseur va déprimer le système immunitaire. Donc, tout déficit immunitaire secondaire, on doit en tenir compte lors d'une vaccination. Ces sujets-là ne doivent pas être également vaccinés. Alors, maintenant, on vient de parler des vaccins utilisant des germes vivants atténués. Maintenant, on va parler des vaccins utilisant des agents pathogènes ou des germes tués. Il s'agit de la deuxième catégorie.
La neutralisation veut dire éliminer un agent pathogène. C'est ce que ça veut dire. Les anticorps neutralisent les agents pathogènes, soit par ADCC, soit par cytotoxicité dépendante du complément, soit par opsonisation. Vous me suivez? M'entendez? Là, je viens de répondre à la question. Maintenant, je vais aborder les vaccins utilisant des germes tués. Alors, comment ils sont tués, ces germes? Ils sont tués soit par des méthodes physiques telles que tout simplement la chaleur, hein, donc la température, ou par des processus chimiques à base de formaldéhyde ou d'agents activants. Donc, ce qui va entraîner une perte de la capacité de multiplication de l'agent pathogène chez l'hôte. Alors, bien entendu, il faut qu'il y ait une conservation de l'immunogénicité. C'est très important en utilisant ces méthodes d'inactivation, que ce soit la chaleur ou des processus chimiques. Il faut éviter qu'il y ait une dénaturation en maintenant la structure des épitopes des antigènes de surface. Sinon, votre vaccin sera inutilisable. Alors, les vaccins utilisés contre les germes, généralement, les vaccins inactivés, tués, ce sont des vaccins qui sont dirigés contre les germes, induisant une réponse de type humoral. C'est le cas de toutes les bactéries à multiplication extracellulaire et les virus avec une phase de Véronique. Alors, c'est le cas de la coqueluche, de la typhoïde, du choléra, etc. Aussi de la poliomyélite, mais cette fois-ci pas par voie orale, comme tout à l'heure, mais par voie injectable. Vous avez l'hépatite A et le virus de la grippe et également la rage. Alors, l'avantage de ces vaccins, c'est qu'ils ont un bon pouvoir immunogène. Ils ne nécessitent pas donc d'adjuvants. Ils induisent cependant que de fortes réponses humorales, de très faibles réponses cellulaires et une mémoire immunologique. Alors, leur inconvénient majeur, c'est qu'ils nécessitent de multiples rappels pour obtenir une protection optimale. Donc là, le rappel est obligatoire. Et risque de virulence si le micro-organisme n'est pas totalement inactivé. Donc, je passe à la dernière catégorie de vaccins, c'est le vaccin sous-unitaire, où on a pris comme exemple d'antigène purifié deux exemples, les polysaccharides capsulaires bactériens et les anatoxines. Alors, je commence par les polysaccharides bactériens. Généralement, il faut savoir que les vaccins de type polysaccharide vous permettent d'avoir des réponses en anticorps dirigées tout simplement contre les polysaccharides capsulaires, des germes à multiplication extracellulaire. C'est le cas pour le streptocoque pneumoniae, Neisseria meningitidis, l'hémophilus influenzae, la salmonella typhi. Ce type de vaccin induit une réponse humorale sans avoir de réponse cellulaire. Et généralement, ce sont des antigènes thymo-indépendants. Dans ce cas de figure, vous n'aurez qu'une réponse, généralement, une réponse humorale à base d'IgM seulement, sans génération de mémoire. C'est une particularité des vaccins qui utilisent des sous-unités polysaccharidiques bactériens. Cependant, ces dernières années, il y a eu une petite amélioration. On a ajouté à ces agents pathogènes, à ces sous-unités d'agents pathogènes, c'est-à-dire aux polysaccharides bactériens, on les a combinés avec un caryète, donc on a rajouté un porteur, de façon à favoriser la production d'IgG antipolysaccharides et la génération de mémoire. Ça a été le cas avec le vaccin anti-hémophilus influenzae, voilà, qu'on a combiné avec l'anatoxine tétanique, c'est elle la protéine porteuse. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Donc, le deuxième exemple de vaccin utilisant des sous-unités, ce sont les anatoxines. Alors, les anatoxines sont de puissants immunogènes. Ils peuvent être détoxifiés
on les conjugue par de la chaleur et le formol. Donc, on va les traiter par le formol et la chaleur de façon à ce qu'on va les détoxifier tout en gardant leur pouvoir immunogène. Donc, ces anatoxines ainsi traitées vont être non toxiques, mais immunogènes. C'est le cas de l'anatoxine tétanique, diphtérique et botulique. L'anatoxine tétanique vous donne le tétanos, la diphtérique, c'est la diphtérie, la botulique, ça sera le botulisme. Donc, ces anatoxines qui vont être utilisées dans les vaccins sous-immunitaires vont induire une réponse humorale sans réponse cellulaire. Oui, ah oui. Là, si on est en train de donner des exemples, c'est important. Il faut avoir au moins un exemple dans chaque catégorie. Toutes ces infections, malheureusement, on est confronté à ces infections, hein. Qui ne fait pas un tétanos, qui ne fait pas une diphtérie ou un botulisme. Donc, on est obligé d'avoir ces exemples, c'est les plus importants. D'accord? Même pour les vaccins, on a donné les exemples les plus importants, les exemples courants. Alors, caractéristiques, ils induisent donc une réponse humorale sans réponse cellulaire. La réponse est faible, d'où la nécessité de les combiner à des adjuvants, soit des adjuvants minéraux comme par exemple l'hydroxyde d'aluminium ou de magnésium, ou encore à des corps bactériens. C'est le cas par exemple du vaccin du DT-Coque. Donc là, j'en ai fini avec les différents antigènes vaccinales. Donc on va essayer de parler rapidement des voies d'immunisation. En vaccination, quelles sont les meilleures voies de vaccination? Il n'y en a pas des masses. Vous avez la voie sous-cutanée et la voie intradermique et vous avez la voie intramusculaire. Alors, pour la voie orale, on la recommande pour le vaccin de la polio. Voilà, c'est tout. Maintenant, les adjuvants. Alors, que veut dire le mot adjuvant? Alors, les adjuvants aussi, c'est le troisième facteur qui influence la vaccination. Le mot adjuvant vient du mot latin adjuvat, qui veut dire aider, assister. Ce sont des substances, tout ça par définition, ce sont des substances qui mélangées à un antigène vont potentialiser vos rats pour le vaccin de la polio. La voie orale est préconisée, recommandée pour le vaccin de la polio. Maintenant, les autres voies d'immunisation, c'est la voie intradermique, sous-cutanée et la voie intramusculaire. C'est les voies les plus immunogènes. D'accord ? La voie intraveineuse et généralement la voie orale, ce sont des voies tolérogènes. On ne les utilise pas tellement, sauf qu'en cas de nécessité. Le seul vaccin qui est utilisé par voie orale, c'est celui de la polio. Alors, donc je reviens sur le mot adjuvant. C'est une substance qui augmente la réponse immunitaire. Et cela par le développement d'une réaction inflammatoire. Alors, comment va agir un adjuvant? Il agit soit en induisant une réaction inflammatoire par mécanisme antigène indépendant. Cela va favoriser une libération prolongée de l'antigène et donc un afflux de cellules inflammatoires au site d'injection, ce qui va permettre d'avoir une bonne réponse immunitaire spécifique. Alors, voici les différents types d'adjuvants qui sont utilisés actuellement. Vous avez les adjuvants minéraux tels que l'hydroxyde d'aluminium et le phosphate de calcium. On a tendance maintenant à utiliser beaucoup plus le phosphate de calcium que l'hydroxyde d'aluminium. On est en train d'essayer de l'enlever de plus en plus des vaccins. Vous avez également des adjuvants microbiens comme les LPS. Donc, les vaccins… Donc, après avoir parlé du troisième facteur influençant la vaccination, on va parler maintenant des incidents et de l'aspect éthique des vaccins. Alors, les vaccins peuvent entraîner comme incident des réactions non spécifiques, telles qu'une fièvre, une réaction locale au point d'inoculation et des réactions spécifiques de certaines vaccinations,
Exemple, quand vous faites le vaccin contre la rubéole, pardon, vous avez des atralgies. Quand vous faites le vaccin à votre enfant contre la coqueluche, vous pouvez avoir des convulsions. Également, on peut avoir des encéphalites auto-immunes après vaccination antirabique. Parfois, certaines personnes qui sont allergiques aux protéines d'œufs ou aux antibiotiques, parce qu'on met des antibiotiques aussi, et parfois on entretient, par exemple, les vaccins contre les virus, on les prépare en cultivant certains virus sur des protéines d'œufs. Donc, ça peut entraîner des allergies chez les gens qui sont allergiques aux œufs, tout simplement. Donc, il faut faire attention. Et bien entendu, le risque majeur, c'est que les vaccins vivants peuvent donner lieu à une véritable infection sur un terrain immunitaire déficient. On ne vaccine jamais chez un sujet immunodéprimé. Voie orale contre la grippe, c'est par voie intramusculaire. D'accord? Il n'y a pas de vaccin contre la grippe par voie orale. Alors, donc, vu ces incidents, nous conseillons et nous recommandons, avant de se faire vacciner, de faire un dosage, une électrophorèse des protéines, de faire une FNS, une électrophorèse des protéines, et également, pour les sujets qui sont allergiques, de faire un bilan allergique, de faire notamment, par exemple, un dosage d'IgE spécifique avant de faire une vaccination quelconque, pour éviter ce genre d'incident. Alors, concernant l'aspect éthique, le risque vaccinal soulève plus de problèmes éthiques que le risque thérapeutique dans la mesure où la vaccination est proposée ou imposée à un sujet sain. Donc, c'est vraiment un grand problème d'éthique. Cependant, il faut poser toujours le pour et le contre, hein, à savoir un traitement qui entraînant 1% d'accidents graves est jugé acceptable dans une maladie sévère. Et un décès ou un handicap définitif chez un vacciné sur 10 puissance 4 ou 10 puissance 5 sujets n'est pas accepté. Donc, en raison de son caractère systématique et obligatoire, le vaccin est astreint à un niveau de sécurité beaucoup plus élevé que le médicament. Donc, j'ai fini. Normalement, on va finir maintenant bientôt le chapitre de la vaccination. Passer à un autre chapitre qui est la thérapie par les anticorps. Alors, pour la limite de la vaccination, c'est vrai que ça permet de nous protéger. Alors, il faut savoir cependant que chaque individu réagit différemment à un vaccin. Vous avez des bons répondeurs, vous avez des mauvais répondeurs. Il y a aussi, selon les populations, il y a une variabilité ethnique. Par exemple, les Asiatiques ne vont pas réagir de la même façon au vaccin que les Africains. Il y a un risque de mauvaise tolérance parfois. Il faut faire attention aux différentes contre-indications. M'entendez? M'entendez? Donc, il y a également un risque de mauvaise compliance. Il y a un risque de mauvaise compliance à la vaccination. Les doses vaccinales doivent être respectées. Le calendrier vaccinal doit être respecté. Et également, il ne faut pas oublier que parfois le système immunitaire peut être défaillant et on peut avoir un mécanisme d'échappement des pathogènes au système immunitaire. Donc, là, j'en ai fini avec les vaccins et je passe au deuxième chapitre, c'est-à-dire aux anticorps. Alors, la thérapie par les anticorps est basée sur l'immunothérapie passive. L'immunothérapie passive consiste à transférer des anticorps ou des cellules d'un individu A à un individu B dans le but de le protéger.
Ce type de processus est utilisé en séroprophylaxie ou en sérothérapie et lors de l'immunothérapie des cancers. Donc, bien entendu, on va se baser sur l'immunité spécifique, passive, et bien sûr, elle sera artificielle. Dans cette catégorie, vous retrouverez la sérothérapie et la séroprévention. Donc, il faut savoir que l'administration des anticorps est basée sur le principe ou le concept d'immunité passive immédiate que je viens d'expliquer. Les anticorps peuvent être utilisés dans un double but thérapeutique pour traiter un état pathologique et on est dans la sérothérapie et prophylactique pour prévenir un état pathologique et on est dans la séroprophylaxie. Il y a deux sources d'anticorps, les anticorps polyclonaux et les anticorps monoclonaux. Je m'explique. Pour les anticorps polyclonaux, ce sont généralement des gamma-globulines purifiées, c'est-à-dire des IgG surtout. Ils peuvent être produits chez l'animal. C'est le sérum d'animaux hyper immunisés, par exemple chez le cheval. Ils sont très immunogènes. Généralement, il s'agit des sérums, par exemple, anti-scorpioniques, hein, qu'on utilise lorsqu'on subit une morsure de scorpion. Et vous avez aussi dans la catégorie des anticorps polyclonaux, ceux qui sont d'origine humaine, par exemple, c'est le cas, ceux qui sont obtenus, c'est des sérums de sujets sains immunisés volontaires. C'est le cas du vaccin anti-D hein, dans l'alloimmunisation fœto-maternelle. Également, vous avez les anticorps monoclonaux qui sont obtenus selon le processus de technique des hybridomes selon Milstein. Hein, vous pouvez le trouver sur le net, ce processus, il n'est pas à connaître. Et dans cette catégorie-là, vous avez trois catégories d'anticorps monoclonaux, ceux qui sont murins, ceux qui sont chimériques et ceux qui sont humanisés. Donc, on travaille actuellement avec les trois types d'anticorps monoclonaux en thérapie. Alors, comment vont agir ces anticorps? Ils vont soit neutraliser les toxines et les virus, soit ils vont agir par lyse complément dépendante, soit par ADCC, soit par opsonisation et phagocytose. Alors, on peut avoir aussi généralement, on a souvent des anticorps conjugués. C'est le cas des anticorps qui sont utilisés dans les traitements antitumoraux. Soit ils sont conjugués à une enzyme, soit à une toxine, soit à un marqueur radio-isotopique. Leur but, c'est de localiser la cellule cancéreuse. Une fois qu'ils localisent la cellule cancéreuse, ben la substance cytotoxique va être libérée et va détruire de façon spécifique la cellule tumorale. Alors, quels sont les anticorps utilisés en séroprophylaxie? Alors, la séroprophylaxie est indiquée pour les infections en période d'incubation trop courte, comme le tétanos, la diphtérie et la rubéole. Lorsqu'il y a une absence de vaccin chez les prématurés, chez les malades atteints de sida, elle est recommandée. En cas de rage, en cas de morsure faciale, mais également en cas de rage, il ne faut pas oublier, il y a la séroprophylaxie avec le vaccin de la rage. C'est les sujets contacts à haut risque. La sérothérapie, elle est faite pour éviter les chocs septiques. Elle est surtout utilisée dans l'alloimmunisation anti-D, le fameux vaccin anti-D, chez les femmes rhésus négatives, lors des traitements des déficits immunitaires à base d'immunoglobuline, lors des traitements de certaines maladies auto-immunes à base d'IgG intraveineuse. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez sur ce tableau l'indication thérapeutique des différents anticorps. Alors, vous avez pour les anticorps, par exemple, d'origine animale, généralement, ils sont préparés par des processus de relargage au sulfate d'ammonium associé à une purification par la chromatographie. Ils sont généralement utilisés pour la neutralisation des venins. Je l'ai dit, par exemple, lors de morsures de scorpions, par exemple. Également, vous avez aussi le fameux sérum anti-lymphocytaire qui est utilisé dans les rejets de greffe.
Pour les immunoglobulines d'origine humaine, je reviens aussi au vaccin anti-D qu'on prépare selon la méthode de Kuhn à l'alcool, qui est une méthode, qui est un processus de précipitation, de centrifugation à l'éthanol. Donc, c'est généralement ce type de préparation sont utilisées pour préparer soit le vaccin anti-D, soit des préparations d'immunoglobulines. Enfin, pour les anticorps monoclonaux, ils sont utilisés soit généralement en traitement anti-tumoral. Donc voilà ici sur ce tableau les principaux indications des anticorps monoclonaux à usage thérapeutique qui existent actuellement sur le marché et qui ont des AMM, comme vous le voyez. Hein, l'un des plus courants utilisés, le Rituxan, le rituximab, utilisé en oncologie et dans le traitement d'une maladie auto-immune qui est la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez également le gentuximab, utilisé en oncologie. Vous avez le Zivalin également utilisé en oncologie, etc. Voilà. Vous avez également actuellement aussi utilisé en immunothérapie allergique. Vous avez l'omalizumab, qui est un anti-GE, qui est utilisé dans le traitement de l'asthme allergique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, c'est terminé. La neutralisation par les anticorps, on l'a expliqué en début du cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur ma boîte email. L'email est sur la plateforme. Le cours est terminé.